Bienvenue sur Papy Nuggets. C'est Quentin et Jérémy. Et ce soir, on teste Butcher. Butcher, tout le monde en parle Butcher en ce moment. Butcher, c'est quoi? Butcher, c'est qui? Butcher, c'est un jeu. Transhuman Design. Transhuman Design, ça ne disait pas grand chose. Et en fait, quand tu regardes la liste des jeux qu'ils ont fait, ils ont fait Soldat. Ils ont fait Storm 2D, qui est une sorte de soldat un petit peu amélioré. Un Trench Run qu'on teste aussi sur Papy Nuggets. King's Arthur Gold. On voit qu'ils ont quand même ils tournent autour du shooter 2D, on est d'accord, multi pour certains. Pour certains, ouais, effectivement. Et du coup, voilà. Puis ils y tournent surtout sur une bonne vieille touche année 2000, voire là, on verra pour celui-là, année 80. 80. Ouais. Ouais, un gros hommage à Doom, avec des petits jeux de mots, etc. Doom, Quake, il y a tout quoi là-dedans. On va commencer direct. Il porte bien son nom, Butcher. Allez, on va prendre Hardcore, on est d'accord? Oui, bien sûr. Petit edit au montage. Donc certains diront que c'est moche. Et d'autres diront que c'est pas très beau. Mais les autres... Voilà. Pour les vieux cons que nous sommes, le petit côté pixelisé comme ça nous parle quand même. Il y a surtout une énorme ambiance sonore, je trouve. Pas mal de richesse au niveau des armes ou des ennemis. Et, putain, je vais me faire buter dès le début. Donc clic gauche, tu tires. Clic gauche, tu tires. Clic droit, coup de clic pied. Clic droit, coup de pied, pas super efficace. Changement d'arme. Pour l'instant, il y a 8 armes. On verra qu'il n'y a pas beaucoup de level. On vous montre les deux premiers. On vous laissera le troisième et dernier, en fait. Mais voilà, c'est pas encore sorti, donc on est déjà bien content d'avoir ces trois niveaux. Si tu les déranges pas, ils viennent pas t'attaquer ou quoi? Si je les dérange pas, je sais pas, c'est pas trop la philosophie du jeu de pas déranger les ennemis, okay. Mais je pense qu'effectivement ils t'attaquent. J'aime bien quand même se planter dans le sol comme des coups. Ouais, c'est pas super joli. Ok, petit massacre. Regarde. Ah, il a pas l'air de trop vouloir m'emmerder, mais je pense qu'à partir du moment où je tire un coup de feu, ils vont me tomber dessus et je préfère choisir en fait simplement. Ouais, tu préfères les tuer avant. Exact, ça s'appelle tuer butcher, ou être tué quoi. Ça s'appelle pas vegan. En tout cas, c'est clair que le feeling du gun est bien là, quoi. Ouais, non, c'est vraiment sympa pour ça. Et j'aime beaucoup ce côté où ils viennent vraiment au corps à corps. Ah, ils sont hyper lourds, hyper relous. Ah, ouais, c'est marrant, regarde, comme dans Quake et autres, ils se battent entre eux. Comme c'est original. Je me rappelle dans le manuel de Quake, ils avaient mis un petit avertissement du genre si vous voyez des créatures se battre entre elles, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal, c'est pas un bug en fait. Non, c'est ça, c'est une feature. C'est marrant. Il y a du monde là. Ouais. Ah, il rampe. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, ça passe du petit coup de pied dans la tête ou en mode de petit hamster viande hachée, quoi. Ouais. Ok, donc premier level, pas trop difficile. On verra que je pense que j'ai découvert aucun secret. Voilà. Ah non, il n'y en avait pas, en fait, simplement. Assez rapidement, faut commencer à creuser, essayer de trouver des trucs. C'est assez sympa. Acid Factory. Bon, déjà... C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Ça me rappelle les graphismes de Teleglitch. Enfin, tous ces jeux bien pixelisés, ça peut facilement faire penser l'un à l'autre, mais il y a un petit peu. Non, mais clairement, la thématique est très Teleglitch, quoi, dans le sens où c'est clairement. On avait testé sur Puppet & Nuggets. À tester. Je vous conseille la vidéo et likez surtout. Exact. Non, mais c'est vrai que Teleglitch, c'est exactement cet univers un peu bas spatial. Avec un bon feeling des guns d'ailleurs. Teleglitch, regarde le gars là. Je dis regarde, tu sais très bien ce qui va se passer, mais je vais le louper déjà. Bon, voilà. Ouais, c'est magnifique. Petit effet à peine glitch. Qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai pas encore chopé une nouvelle arme. Non. Oups, bonjour. Ils sont tout excités ceux-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Prends un peu de vie. Alors là, toute la difficulté des niveaux, c'est pas de surtout pas toucher l'acide. À partir du moment où tu le touches, tu meurs. Ça tire à travers les plateformes que tu peux traverser. Ah ouais, bah voilà. Il n'y a pas de problème. J'ai fait une connerie là en fait. Si je veux aller prendre ça. Bah non, que... c'est bon, vas-y. Ouais. Tu peux. Non, mais tu peux, tu vas pas tomber. J'ai un petit doute quand même. Ah, moi je pense que tu peux le faire. Allez, faisons confiance. Ouais. C'est quoi que t'as chopé en fait? Ah, je t'avais dit, faut faire gaffe. Ce que j'ai chopé, c'est un... Bon, on va vite revenir, je vais te montrer. C'était jouissif, ouais, ça. Ouais, il est bien. C'était vraiment T'as bon. Raison, laisse-le se reposer. C'est tellement gore, je suis presque choqué. Mais le sang, le sang de la session d'avant, elle est toujours là. Ah, du coup, tu peux... Ah, ouais, ok.
Alors attends, il faut que tu appuies sur le bouton. Appuyer sur le bouton, effectivement. Okay. La bande son, donc si on reparle un petit peu des mecs, la bande son est soi-disant dispo sur SoundCloud, mais ça marche pas le lien. Ouais, donc a priori, on... ça va être réparé tout prochainement. Ouais, je dis synchronisation. Bon, j'ai loupé un truc là, ça s'ouvre toujours pas. C'est bizarre. Oh, pourquoi. Ok, ouais, donc la bande son est bien non, sympa. T'as pas appuyé sur le bouton là-bas, Jérôme. Si, Non, non, le bouton vert. Si, si. Ah bon? Ok. Putain, c'est bien gore, effectivement. Ouais, donc bande son bien jouissive. Liquide d'ennemi aussi. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Il y a quoi? Je disais quoi? 8 armes. Donc on va vite. Voilà, regarde. Hop. Alors là, je crois que j'ai chopé un souffreur. Qu'est-ce que c'est? Un lance-roquette? Fais gaffe, hein. Ouf. Ah ouais, c'est quoi? Un lance-boulet? Ouais. Je sais pas si c'est une roquette ou si c'est... Ça retombe ou pas? Ouais, ouais, ça retombe. Ah ouais. Oups. Une lance-grenade. Il y a du monde apparemment. Alors là, je me demande comment elles réagissent les grenades sur les plateformes. Elles tombent aussi? Ah ouais. C'est effectivement. Oh là là. Il y a un petit effet de zone, mais pas trop exagéré quand même. Ouais, non, c'est mignon. C'est juste urbain comme il faut, quoi. Je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais t'as vu le saut que je me suis tapé? Ouais, ouais. J'aime bien, d'abord ça m'énervait un peu ce spawning d'ennemis comme ça, ce spawn d'ennemis bah en fait, continue. T'en veux chaque fois plus. Puis en fait, ouais, c'est vraiment du non-stop quoi. C'est quoi ça, c'est quoi ces rouges là? Ah, c'est de l'armure. Non, ton armure elle est en forme de shield en fait. Là t'as un bouton. Alors qu'est-ce que j'ai ouvert? Ah, c'est une super armure. Oh non, t'as tellement dur, fait le kéké là. Bon, écoute, moi je propose qu'on arrête là, si tu veux en voir encore. Ce qu'on vous propose, c'est que voilà, si ça vous plaît, allez télécharger le truc. On est presque à la fin de la petite démo. Il reste quand même un bon niveau, on voulait pas trop vous en montrer. C'est pour ça qu'on fait code perdre en fait. C'est pour ça, exactement. Exactement. C'est comme d'habitude en fait. Allez, mais quand même, essaye juste d'aller au bout là. On va appuyer sur le bouton. C'est impressionnant à part ça, la quantité de sang. Ouais. C'est presque un peu choquant. J'ai pas l'impression qu'aucun être humain peut sortir autant de sang. Alors, un être humain, non, mais 30. Ouais. Même. J'ai jamais testé. Alors là, je commence à... Les gars qui gémissent à tout côté là. Alors, tu prends pas l'armure. C'est juste maintenant que tu me fous les jetons avec les bains d'acide là. Ah ouais, clairement. On a jamais retrouvé cette mitraille, c'est dommage. C'est vrai. Tellement bloody quoi. Ça veut plus rien dire à part ça. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Ouais, t'es pas très bon. Ouais. Va prendre ta vie. Ouais, bonjour. T'es tellement jamais tranquille. Bon, pourquoi ça suffit pas? Qu'est-ce que j'ai? On va nettoyer le niveau. Hein. Ah, c'est ouvert. On fait des petits joueurs là, tu vas même pas prendre l'armure, ok. J'ai pas besoin d'armure. Ah, t'as mis très vite. Ah, voilà. Donc, effectivement. Je comprends pas trop les balles, les. Ah, il y a tellement d'effets là. Tu vois à droite là. Ouais, ouais, non, j'ai compris, mais je dis l'effet, c'est est-ce que c'est les munitions, est-ce que c'est les douilles. Alors là, je crois qu'il y a du monde qui arrive d'en haut. Les douilles qui continuent à sauter. C'est un problème physique. Prennent l'IA aussi. En même temps, on leur demande pas vraiment de réfléchir. Ouais, alors la mitraille, c'est pas peut-être. Même de spread. Quoi. Le cône de dispersion est hyper élevé. Il va y avoir du monde, je pense. Ouais, c'est clair, t'as fait le bon choix. Mon... Ah, ça, c'est une sorte de petit ninja. Oh là là. Ah, ouais. Ah oui, ils ont un couteau. Ouais, j'ai pas trop envie de les avoir au corps à corps. Voilà. Un du cadeau. Rocket jump en fait. Ah. Grenade jump. Ouais. C'est marrant vu que ça tombe pas, c'est un peu troublant, mais c'est marrant, enfin ça tombe en fait, à travers les plateformes, donc ouais. C'est marrant, c'est pas assez marrant quoi. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de vie là, donc... Bon la vie ça va, hein. Ouais. Alors comment tu peux aller là-haut avec un petit rocket jump, mais est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas, hein. Allez. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas faire de rocket jump. Je peux même pas faire de rocket jump, ouais.
Tu l'as laissé mourir de vieillesse, le pauvre. Alors. Oh, des bains d'acide, qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu dis pas trop le gun, mais il est quand même pas mal, hein, le petit gun. Ouais, c'est vrai. À longue portée. C'est vrai. Ah, le jetpack. Enfin, ça a l'air. C'est pas un jetpack? Je sais pas ce que j'ai ramassé, je le vois pas dans non, les. C'est clair objets. Que c'est un jetpack. Appuie sur en haut. Attends, déjà. Me casser. Ah, attends, il faut non, trouver ce que c'est. Je peux pas faire de double jump. Bouton droit. Bouton droit, ça donne le coup de pied. Non, mec, c'est un jetpack. Ah, c'est une clé peut-être. C'est possible, c'est une clé. Hein. Non, c'est un jetpack, regarde. Ouais. Non, bah, va voir dans les options vite fait. Attends. Allez, hop. Configure, contrôle. Flame Travel, ouais, c'est vrai qu'il y a un lance-flamme. Mais non, il n'y a pas de jetpack. Pas de jetpack. Et moi, je te dis que c'est une histoire d'ascenseur ou voilà. Ah. Regarde, hop. Ouais, d'accord. Oh, je suis déçu. Il y a peut-être un jetpack à part ça. Je veux dire. Bah, ça a l'air d'être le un jetpack. Le truc en haut là. En plus, les ennemis ils ont des jetpacks. Je me demande combien de fois on a dit jetpack là dans la vidéo. Allez. Le troisième niveau, on vous le laisse. C'est. Démerdez-vous. Crescendo, ça va être. Ouais, c'est un peu démerdez-vous. Vous verrez que. Mais tu vois, la secret, 0%. Donc effectivement, on a loupé. Le jetpack. Le plaisir de découvrir. Parce que nous, en fait, on sait comment y aller. Mmh. Ou pas. Et on vous retrouve à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Ciao, ciao.